bu mon verre. Petit whisky coca pour changer. Vidéo réponse à l'article de Nice Matin, Monaco Matin, Var Matin, écrit par Stéphanie Gaziglia sur moi. Bon. Forcé de constater que Nice Matin, comme à son habitude, raconte toujours des conneries, je suis aussi forcé de constater que Stéphanie, madame, vous êtes en progrès. Vous êtes en progrès, vous en avez dit moins que d'habitude. Mais on n'y est pas encore. Déjà, non mais sérieusement, allez diffuser une photo où je fais ça. Non mais sérieux, mais j'en étais sûr. Quand je vous avais dit en réponse à l'autre vidéo, à l'autre article que vous aviez fait sur moi, de sélectionner mes photos sur mon Instagram, j'avais jamais dit de prendre la plus con. Il y a des photos où je suis sérieux, et des photos où je fais des grimaces, et où je fais le con. Pas des photos où je fais le con. Sérieux. Vous allez me dire, c'est ce qui correspondait le mieux à l'article. C'est pas faux. Pas faux. Mais... non. Non, non. De toute façon, ça m'étonne pas de vous. Vous faites ça pour m'emmerder, je le sais. Ça vous amuse de m'emmerder, c'est votre passe-temps. Quand vous avez rien à faire, vous dites, je vais emmerder l'autre. Donc ensuite, vous avez mis... ah, je suis obligé de me marrer. Le suprématiste niçois. Bon, il existe un suprématisme niçois? Ah bon? Qu'est-ce qu'un suprématiste niçois? C'est quoi le suprématisme niçois? Je connais le suprématisme blanc. Je ne connais pas le suprématisme niçois. Mais bon, suprématiste, ça, par contre, c'est vrai que je le suis. C'est bien. C'est bien. Vous êtes en progrès, vous reconnaissez mon courant politique. Bon, vous dites encore que je suis néo-nazi, vous dites qu'on avait trouvé chez moi... déjà, c'est pas chez moi, mais on va y venir. Des objets nazis et des étoiles jaunes. Donc, des étoiles jaunes, il y en avait une. Et des objets nazis, il y en avait un sac entier. Mais il y avait de tout. Je vais vous montrer, attendez. J'en ai toujours parce que je bosse toujours un peu... où est-ce qu'on a tout ça? C'est pas grave, c'est quand je cherche les choses que je les trouve pas. Je voulais vous montrer des insignes coco. Parce que j'ai tout. Il y a des insignes nazis, il y a des insignes communistes, il y a des insignes américains, j'ai tout. Je suis un collectionneur de militaria. Ce qui fait que tout ce qui est en rapport avec le militaria, la guerre et tout, j'en ai une collection et j'en vends aussi. Je le vends pas moi sous mon nom parce que, voilà, je suis trop connu et bon, pour que tout le monde se soit un peu œcuménique et que tout le monde achète, c'est pas moi qui le fais. Mais j'achète, je revends à d'autres qui le revendent. Je suis collectionneur et vendeur de militaria souvenirs. Donc j'ai de tout. Mais oui. Donc aussi des trucs nazis, certes. Mais aussi des trucs coco. Si ça vous intéresse, je vous enverrai mon catalogue, si vous voulez. Ensuite, j'habiterai à Louis Braille. Non, j'habitais au 109 rue de France. Mais demandez à mon cousin Henri, hein, Henri Issora, vous le connaissez, demandez-lui où j'habitais. Il est assez venu chez moi pour savoir où j'habitais. Hein. C'est Florian qui habitait Louis Braille. Moi, j'habitais déjà plus chez moi parce qu'il y avait trop eu les flics chez moi et tout, j'étais toujours en déplacement. Mais Flo, il me servait de couverture. Ça, j'habitais pas chez lui, mais je planquais le matos chez Flo. C'est dans cette affaire-là qu'ils ont trouvé les 34 armes et munitions correspondantes. On parle sur la deuxième fusillade de Saint-Charles. J'ai pas tiré sur ma voisine. On faisait une fête...
Bon, c'est pas très stratégique de faire une fête dans une planque. Surtout qu'à l'époque, là, j'étais bien chargé parce que c'était l'époque où je fournissais Thierry Maillard. C'est l'affaire du trafic d'armes de Reims. Donc là, il y avait des belles choses. Là, il y avait du bon. On a fait cette fête plus qu'arrosée. Et où c'est vrai qu'il y avait un vacarme. Point possible. De là, il y a la Trabadja d'en dessous qui a commencé à brailler. On lui a répondu de façon pas très courtoise, on va dire. De là, elle nous a ramené toute une bande de racailles qui ont commencé à nous caillasser et à péter les fenêtres. De là, j'ai pris une arme, j'ai tiré. C'était pas avec un pistolet d'alarme d'ailleurs. Mais ça m'a arrangé de le faire croire. De là, on s'est fait lever. Quand on s'est fait lever, les armes sont trouvées et tout. Ils m'ont demandé quoi j'avais tiré. Je leur ai dit évidemment avec le pistolet d'alarme. J'allais pas leur dire que j'avais tiré avec un 45. Et donc, il y a eu ce truc-là. J'ai pas tiré sur ma voisine, j'ai tiré sur des racailles pour les disperser. Il y a une nuance. Une énorme nuance. Mais votre collègue Denis ce matin qui a écrit cet article, qui date d'il y a des années, il n'était pas là au procès. Je ne sais pas quelle piscopie était là, mais lui n'y était pas, parce que lui, je le connaissais. Parce que sur Nice, tout le monde se connaît. Je l'avais assez croisé dans des. Il s'appelait Rosso d'ailleurs, mais rien à voir avec Philippe Rosso. Je l'avais assez croisé au conseil municipal ou dans des réunions du Front. Une fois d'ailleurs, je m'étais amusé à lui interdire l'entrée d'une réunion du Front parce qu'il avait écrit trop de conneries sur moi dans ses articles et j'avais décidé qu'il ne rentrerait plus dans les meetings. Donc je l'avais assez croisé et dans le public, je ne l'ai pas vu au procès. Il n'était pas là. Je ne sais pas quelle piscopie a écrit ça, mais c'est lui qui l'a écrit, mais je ne sais pas quelle piscopie était là, mais ce n'était pas lui. Donc vos sources sont mauvaises. De toute façon, c'est votre journal qui est mauvais. Peut-être que pas vous, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes manipulé, peut-être que vous êtes influencé, peut-être que vous êtes mal renseigné, tout simplement. Mais lui, il n'y était pas. Bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, donc le SO du FNJ. Je ne savais pas que le FNJ avait un service d'ordre. Le FN en avait, pas le FNJ. Donc vous n'y comprenez rien. J'ai jamais été proche du FN. J'ai été du FN. Bon, allez, petit cours explicatif. J'intègre le FN en l'an de grâce 98. De là, en 2002, il y avait moi, il y avait une fille, j'ai pas le droit de dire son nom parce qu'elle a complètement changé de vie, elle m'a demandé de pas dire son nom, on va l'appeler Totonne, c'était son surnom de l'époque. Il y avait moi, cette fille et d'autres. De là, Jean-Pierre Chénardy, SD du FN de l'époque, décide de me nommer moi secrétaire départemental. Mais vu que Stirbo avait donné plus de grades à Totonne qu'à moi, j'ai estimé, bah on va pas se mentir, c'est pas vraiment j'ai estimé, non. J'étais amoureux de Totonne. Bon, que la fonction ne venait pas, ne devait pas être attribuée à moi, mais à Totonne. Jean-Pierre Chénardy ne voulait pas nommer Totonne parce qu'il y avait une guerre entre Stirbois et Chénardy. Il pensait que Totonne était pro-Stirbois, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Et moi, j'ai convaincu Chénardy. De toute façon, je lui ai dit, je ne veux pas être SD. Bon, Totonne m'avait fait le chantage aussi. Il m'avait dit, si t'es SD, j'arrête tout. J'ai fait nommer Totonne SD du FNJ et je suis devenu secrétaire de section. C'est-à-dire, elle était secrétaire départementale et moi, secrétaire chef section. Ce qu'on appelle chef section pour éviter de faire les initiales SS. De là, comment m'a remercié Totonne, adorable fille? À peine fut-elle nommée, à peine un bureau lui fut-il attribué, qu'elle m'a dit, toi et les tiens, vous allez aller dans l'arrière-salle parce que vous faites une mauvaise image, parce que nous on était skin. Et elle se marinisait comme pas possible. C'était voilà, elle voulait se faire bien voir par les cadres FN. Elle n'a pas été correcte avec moi du tout. Mais bon, quand on est jeune, les yeux de l'amour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que nous allions faire une section, moi et les miens, indépendante. Parce que j'aurais pu la faire destituer à l'époque. Elle n'avait personne, moi j'avais du monde. Mais j'ai dit, on va faire une section indépendante et nous avons formé l'UB, l'unité blanche. Unité blanche qui avait pour mission d'être la section arbre du FNJ,
et en même temps d'assurer le service d'ordre. Vu que notre action principale à Unité Blanche, comment Unité Blanche fait son lancement? C'est au congrès du FN de 2003, vous devez vous en rappeler, les 30 ans du Front, à Acropolis, dans le même palais. Il y a le congrès des 30 ans du Front, et juste à côté, mais dans le même palais, juste séparé par une cloison en plastique, hein, il y a le congrès du Parti Socialiste. Évidemment, ça pète en baston général contre les Ralfronts et compagnie. Et UB se distingue dans les charges particulièrement violentes que nous avons faites, où nous avons fracassé des gauchistes et deux flics aussi d'ailleurs qui avaient eu la mauvaise idée de vouloir se mettre au milieu. De là, il devient traditionnel que nous devenons la section de choc du DPS. C'est-à-dire que je deviens DPS. Ensuite, Gilbert, qui avait créé le DPS à Nice, Gilbert Pigli, me nomme chef des DPS, mais des années après, il m'a nommé chef des DPS en 2006. Et on est devenu section, enfin, au début on était section UMI sur du DPS parallèle, et moi simple DPS, et après on a été le DPS de la section de Nice, officiel, DPS officiel, quand Gilbert a eu la section de Nice. Et c'est là où j'ai eu la carte avec marqué CE. C'est-à-dire chef d'équipe DPS. Donc j'ai été à la fois chef section FNJ et j'ai été chef DPS. Mais vu que j'avais mon groupe en parallèle, bah c'était les mecs de mon groupe que j'utilisais. Ce qui fait que quand je les envoyais faire le FNJ, et quand il y avait les meetings, les machins, je leur donnais les brassards. J'avais ma boîte verte là, avec mes brassards, mes pins, mes insignes, je distribuais, machin, et j'étais responsable de mes hommes. Vu qu'on n'allait pas parler du B au FNJ, enfin au FN, officiel, on appelait ça l'unité mobile intervention. Voilà pour vous dire. Donc oui, j'ai vraiment été FN, j'ai vraiment été FN et cadre FN. Pour le vérifier, vous n'avez qu'à appeler mon cousin Henri Issora, que vous connaissez, et lui demander de contacter le colonel Jean Thierry. Donc le colonel Jean Thierry était le responsable de circonscription de là où habite mon cousin. Bon, on ne va pas le dire, on ne va quand même pas doxer le vieux. Hein. Pour le FN. Et c'est un copain d'Henri, parce que les deux ont fait la guerre d'Algérie ensemble. Donc vous demandez à Henri de vous foutre en relation avec Jean Thierry. Jean Thierry confirmera mes dires. Sans ça, vous pouvez demander à Jacques Perra, vu que j'ai bossé aussi avec l'Entente républicaine, que je suis un proche de Perra, qu'il a été mon avocat, que c'est un ami, et que Perra, il a toujours été à moitié FN, à moitié UMP, il vous confirmera mes dires. Sans ça, vous pouvez aussi demander à Gaël Nofri, qui était un des secrétaires de Perra. Arrêtez de prendre vos renseignements auprès de Didier Azin, parce que j'ai compris vos conneries, hein. En réfléchissant, je me suis dit, elle est asinisée. Vos mauvais raisonnements sur mon passé au front vous viennent de Didier Azin, personnage qui a été très proche de moi et de Philippe Rosso, et qui ensuite, pour se faire une virginité politique, a nié nous connaître, et alors qu'il avait été un de mes présidents de comité de soutien quand j'étais en tôle, a ensuite dit qu'il m'avait vaguement connu de loin, alors qu'il est quand même venu me voir au parloir pendant 2 ans. Donc arrêtez de vous faire asiniser, ce serait bien. Vous parlez d'extrême droite niçoise, en fait d'ultra-droite, ça n'a jamais existé. Il y avait deux tendances, FN et MNR. Du côté du FN, il y avait deux sections d'extrême droite, Unité Blanche, avec les miens, et le FNJ départemental de Marie-Autonne, qui ensuite a été constitué avec des membres de l'œuvre française. Alors, on s'adorait avec eux. On s'est battu, et ça s'est fini que j'ai failli buter leur chef avec, parce qu'on s'est battu, j'ai sorti un fusil de chasse à canoncier. S'il n'y avait pas mon pote Ludo, bah, que vous connaissez aussi d'ailleurs, Ludovic Beaujard, qui lui est devenu un héros niçois, qui a sauvé 30 personnes pendant l'attentat de Nice, s'il n'y avait pas eu mon pote Ludo pour se mettre devant, le Ligonis prenait les deux décharges de chevrotine. À ne pas confondre Stéphane Ligoni, sur qui j'ai failli tirer, avec l'autre comte Bruno Ligoni, qui était un cadre du front mariniste, et à qui j'ai aussi pété la gueule, d'ailleurs. Donc, vous pouvez demander tout ça à Beaujard, parce qu'il était Beaujard. Beaujard, pour la petite anecdote, qui, avant d'être le héros de Nice, était aussi un voyou, qui était aussi qui a beaucoup traîné avec moi et avec Jean-Paul Raffa, et dans les équipes de l'époque, on va dire. Avec Bruno Mamoletti, d'ailleurs vous devez connaître cette histoire, quand il y a eu le tir dans le... Quand Bruno, il a tiré une bastos dans la rotule à William, au pénalty, au bar le pénalty. Parce qu'il y avait un litige, bon, moi je ne savais pas, j'étais avec eux, Bruno il était sur le quad avec moi.
Il m'a dit emmène-moi au pénalty, on est allé au bar, j'ai même pas entendu ce qu'il se disait. Je l'ai vu défourailler, il a mis la bastos, c'est moi qui l'ai arraché, il s'est fait serrer 3 jours après. Il y avait Ludo avec lui, il y a eu un putain d'article dans Nice ce matin sur nous, sur ce coup-là. Enfin bref, mes souvenirs de voyous, on s'en fout. Mais sur ce que je vous raconte sur le FM, oui donc, je reviens, parce que je m'égare quand je pars sur Nice, je repars dans mes souvenirs. Et donc au FN, il y avait deux tendances. Il y avait l'unité blanche avec moi et l'œuvre française, qui était le FNJ départemental. L'autre tendance, le MNR, ensuite devenu les identitaires, avec Gros Lardon, le Gros Lardon, Philippe Vardon, qui eux étaient issus du GUD et d'Unité radicale. On ne s'aimait pas. Eux aussi, on s'est battus. En 2008, il y a eu un article aussi de Nice Matin sur notre bagarre. Une de nos bagarres, il y en a eu plusieurs. Il y avait deux tendances. Mais il n'y a jamais eu d'ultra-droite à proprement dit, vu qu'il n'y avait que deux partis, FN et Identitaire. Voilà. Et j'ai été cadre FN. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire. Je n'ai jamais tiré sur ma voisine. Et je vous conseille à l'avenir, quand vous écrivez des articles sur moi, de me contacter avant. Vous savez, je n'ai jamais refusé une seule interview à un journaliste, quel qu'il soit. Je ne demande jamais ses idées politiques à un journaliste, parce que j'estime que l'information du bon peuple est une chose primordiale. Donc que le mec soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, j'accepte. J'accepte toujours. Donc à l'avenir, quand vous voulez parler des vieilles histoires de l'extrême droite, n'hésitez pas à me contacter, surtout quand ça me concerne. Ça vous évitera de dire des conneries. Bon, là, je vois que vous êtes moins dans la connerie, vous en avez dit moins que d'habitude, mais vous en avez dit quand même. Ensuite, j'ai pas 35 ans. Vous dites que j'ai 35 ans. Non, j'aimerais bien, mais j'ai plus 35 ans. J'ai vieilli. Malheureusement, j'ai vieilli. Je vais pas vous dire qu'elle a jugé, mais j'ai vieilli. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on a un peu fait le tour, là. Ouais, c'est vrai que vous avez pas dit trop de conneries. Donc on a un peu fait le tour. Après, oui, j'ai ridiculisé la justice française et j'en suis très fier. Ben voilà. Voilà, c'était en réponse à votre article. Je voulais juste éclairer ces points-là où vous vous êtes trompé. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Au revoir.